par Orange. Sommaire de ce journal, affaire mercenaire, le sujet américain Daryl Lewis a été présenté et remis à l'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Swan. Il pourra rentrer dans son pays, mais le dossier se poursuit. La RDC se fera accompagner d'une commission rogatoire internationale pour obtenir certains éléments dont disposent les États-Unis. Le premier avocat général de la République l'a annoncé ce mercredi à la presse. Et puis, conclave de Bruxelles, après des discussions préliminaires au château du lac de Genval, dans la banlieue de la capitale belge, les acteurs politiques de l'opposition sont réunis autour d'Étienne Tshisekedi, mais sans Katumbi, inculpé dans le recrutement des mercenaires, et Vital Kamerhe, qui a boycotté ce conclave. Nouvelle session d'information sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, affaire mercenaire. Le sujet américain Daryl Lewis a été présenté et remis à l'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Swan. Il pourra rentrer dans son pays, mais le dossier se poursuit. La RDC se fera accompagner d'une commission rogatoire internationale pour obtenir certains éléments dont disposent les États-Unis. Le premier avocat général de la République l'a annoncé ce mercredi à la presse. Gloria Kumwimba. Daryl Lewis, cet Américain de 48 ans, ferait partie du groupe de mercenaires recrutés par l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Le parquet général de la République l'a remis à la disposition de l'ambassade des États-Unis en RDC pour son transfert dans son pays. Mais ce retour n'est pas synonyme de la clôture du dossier. Selon le premier avocat général de la République, il va être mis en place une commission rogatoire internationale afin d'avoir plus d'éléments dans cette affaire. Le diplomate américain salue cet acte de coopération entre Kinshasa et Washington. Nous remercions le gouvernement congolais d'avoir respecté l'obligation de permettre à notre ambassade de lui rendre des visites consulaires lors de sa détention. Azarias Roubéroy, l'un des avocats de Moïse Katumbi et principal défenseur de Daryl Lewis, a salué la décision du parquet général de la République. Il se dit confiant pour la suite de l'enquête. Ce que nous avons noté, par ailleurs, au travers de tous les processus jusque-là de l'instruction, c'est que la justice congolaise au sein du parquet général de la République s'est bien comportée. Ils ont traité notre client avec dignité. Il a répondu aisément à toutes les questions. Et ne pouvons que renouveler notre confiance de voir que la deuxième tranche de l'enquête, ainsi que l'enquête couvrant les autres Congolais détenus et impliqués dans cette affaire, soit aussi, si vous voulez, crédible. Déclaré persona non grata en RDC, Daryl Lewis devrait, sauf imprévu, quitter le territoire congolais dans les heures qui viennent. Écho de la majorité présidentielle, le rappel de troupes se poursuit. Ce mercredi, le secrétaire général de la MP, Aubin Minaku, a tour à tour reçu les cadres de l'UDECO, de l'ARC, de l'ACO, du PDC, de NAD et du CRC. Un seul message, l'unité et la cohésion au sein de la famille politique présidentielle. Les hauts cadres des partis politiques reçus ont réaffirmé leur détermination à s'impliquer dans la mobilisation pour l'accompagnement de la vision de l'autorité morale de la MP Joseph Kabila Kabangé. Entamé le lundi dernier par Aubin Minaku Ndialandioko, les consultations des partis politiques membres de la majorité présidentielle se sont poursuivies ce mercredi au siège de cette plateforme politique dans la commune de la Gombe. La MP d'affaires bloque derrière le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, autorité morale de la majorité présidentielle. Les messages du secrétaire général de la majorité présidentielle Aubin Minaku a été bien appréhendé par les formations politiques. Mais
et nous aussi de la majorité, nous devons préparer nos stratégies. Nous sommes une famille, nous ne pouvons pas aller au combat à notre dispersé. Notre préoccupation, c'est la consolidation de l'unité, c'est la consolidation de la cohésion au sein de la majorité présidentielle. Le chef de l'État a lancé une idée géniale appelant le dialogue national inclusif. Alors nous pensons en ordre de bataille, nous nous mobilisons pour soutenir les dialogues, afin que les dialogues aient lieu dans l'intérêt du peuple congolais et de notre pays. Motivés et déterminés, les partis politiques de la MP affichent déjà leur stratégie pour relever les défis des enjeux qui se dressent à l'horizon. La NAD, c'est parmi les partis qui sont des partis très mobilisés, très engagés pour faire en sorte que la vision du chef de l'État puisse triompher. La concertation aujourd'hui se passe au niveau du secrétariat général de la majorité. Demain, nous allons descendre à la base pour nous entretenir avec nos populations sur l'intérêt qu'il y a à sauvegarder la paix et l'unité et à sauvegarder également la stabilité. Dans la discipline, les partis politiques membres de la majorité présidentielle se succèdent au siège de la MP dans la commune de la Gombe avec un seul message, l'unité et la cohésion pour soutenir la vision incarnée par l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. Débute le lundi dernier, cette action des consultations des partis politiques devra se poursuivre avec d'autres formations politiques signataires de la charte de la MP. Je l'annonçais au sommaire, conclave de Bruxelles. Après des discussions préliminaires dans la banlieue de la capitale belge, les acteurs politiques de l'opposition sont réunis autour d'Étienne Tshisekedi, mais sans Katumbi, inculpé dans le recrutement des mercenaires et Vital Kamerhe qui a boycotté ce conclave. Selon d'autres personnalités politiques sur place à Bruxelles, les enjeux principaux sont d'abord la position de l'opposition quant à la participation au dialogue convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À la Chambre haute du Parlement, la loi sur l'enrôlement et identification des électeurs modifiant celle de 2004 a été déclarée recevable ce mercredi. La nouvelle version a été présentée aux élus par la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Suivez. La réponse est simple. Après les débats la veille, la ministre devait revenir à la Chambre haute du Parlement pour répondre aux préoccupations des sénateurs. L'exercice s'est passé comme prévu. Une démarche générale s'impose. Les réponses données et les Sénats déclarent recevable la version améliorée de la loi de 2004 sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Mais la nouveauté est qu'il y aura des amendements. On est en train d'ajouter ce qui manquait. Par exemple, je prends le cas des Congolais de l'étranger qui vont voter. Je prends aussi les nouveaux majeurs qui seront aussi admis dans les centres d'enrôlement. Et surtout ceux qui auront l'âge de voter pendant le scrutin. Pour les élus des élus, il sera mieux de trouver une bonne fois pour toutes une issue à la problématique de l'identification des Congolais. Moi, je crois que peut-être l'erreur que nous avons ici, c'est de lier ces choses-là. Normalement, ça ne se lie pas. Normalement, l'identification, elle est permanente. Les textes déclarés recevables restaient juste aux sénateurs d'y apporter quelques amendements et ainsi permettre au pays d'aller aux élections avec une loi plus cohérente. Et puis le Fonds monétaire international a bouclé son travail sur l'évolution économique et financière récente en RDC. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Matata Ponyo a reçu ce mercredi en audience l'équipe de cette institution financière internationale afin de lui rendre compte de l'état d'avancement de ses travaux. Selon le chef des missions du FMI pour la RDC, les travaux devront se poursuivre à Washington. On écoute Norbert Toye. La RDC a pu maintenir une stabilité macroéconomique malgré les difficultés de l'environnement extérieur. Et vous parlez des perspectives. Les perspectives, elles, sont bonnes, mais il y a des risques très importants. Si les cours des matières premières ne s'améliorent pas, les pressions que vous avez connues ces derniers mois sur le taux de change vont se perpétuer et il faut donc que le gouvernement prenne les mesures. Le gouvernement a déjà pris des mesures. Et par exemple, vous le savez très bien que le gouvernement a introduit une loi de finances rectificative qui coupe les dépenses de 22%.
Il y a d'autres mesures d'accompagnement que nous avons discutées avec le ministre et nous sommes en parfaite harmonie sur ce qu'il faut faire pour préserver cette stabilité macroéconomique à moyen terme, étant donné les risques qui pèsent là-dessus. C'est très important et il y a eu donc une convergence de vue sur ce qu'il faut faire. Dans l'actualité également, le ministre congolais de l'économie nationale, Modeste Bahati-Lukwebo, a échangé avec une délégation d'hommes d'affaires turcs. Au centre des discussions, les investissements en terre congolaise. Cette délégation conduite par l'ambassadeur turc en RDC est à la tête de 5000 usines réparties dans 70 secteurs veut apporter au pays son expertise de 40 ans dans les secteurs de l'énergie, du transport, des infrastructures et en agroalimentaire. C'est une délégation turque venue à Kinshasa pour la signature de l'accord de création du conseil d'affaires turco-congolais avec la Fédération des entreprises du Congo. Profitant de ces brefs 6 jours, ces hommes d'affaires conduits par leur ambassadeur au pays ont rencontré le ministre congolais de l'économie nationale. L'objectif étant de discuter sur les investissements en République démocratique du Congo. Nous nous intéressons beaucoup au marché congolais depuis plus d'un an déjà. Et donc nous sommes venus en prospection et pour comprendre un peu quels étaient les développements qui peuvent être attendus de cette nouvelle ouverture. Juste après, Modeste Bahati-Lukwebo a rencontré des investisseurs sud-africains de la société Apexion. Ici, ces investisseurs ont sollicité l'implication du ministère de l'économie nationale pour la faisabilité du projet électricité et télécommunications à travers la fibre optique, bref, la logistique. Apexion is an African company. Bon, nous sommes très intéressés à pouvoir investir ici en RDC dans plusieurs domaines, entre autres dans les domaines de la biométrie, la solution biométrique, et en apportant évidemment les financements dans tous ces projets-là. C'est pour ça que nous sommes là. Et puis, on a été saluer son Excellence, Monsieur le ministre de l'économie, comme le ministère de l'économie coiffe tous ces domaines. C'est pourquoi nous sommes venus lui présenter nos civilités, en même temps lui exposer tout ce que nous avons comme projet. Après l'Afrique du Sud, vient le tour de l'île Maurice. Ce pays se dit aussi attiré par le marché congolais, notamment dans le domaine de l'épargne et de l'assurance vie. La République démocratique du Congo, terre d'opportunités, d'où cette volonté de plusieurs pays d'investir en terre congolaise. En 7 ans d'existence, la société minière Kibali Gold Mine poursuit sa progression en termes de production, mais aussi de développement social de la province du Haut-Uele. Et en ce qui concerne sa production, la société qui, après avoir dépassé son objectif annuel de 6000 tonnes d'or l'an dernier, s'est penchée cette année sur sa mine souterraine qui a déjà atteint la cible de 100 000 tonnes d'or par mois. Est-ce que persiste ? Cela signifie quoi ? Après avoir dépassé son objectif de produire 600 000 onces grâce à sa mine à ciel ouvert, Kibali Gold Mine s'épanche cette fois à sa mine souterraine et qui a déjà atteint la cible de 100 000 tonnes par mois. Vous regardez là-bas, il y a un jumbo de formation. Après 7 ans d'existence, Kibali est devenu un acteur incontournable du développement de la province du Haut-Uele avec un investissement de 2 millions de dollars dans le développement communautaire, dont la reconstruction de 14 villages, de plusieurs écoles, la construction du nouveau site de l'église catholique roumaine Sainte-Barbe et de 2 centrales hydroélectriques qui doivent desservir non seulement l'entreprise mais également la communauté, notamment celle de Nzorodé et d'Ambaro. L'autre chapitre est celui de la Fondation Nos Vies en Partage, un safari moto à vocation caritative, surnommé Safari Kwa Afrika Bora en Swahili, qui veut dire « Rallye pour une Afrique meilleure ». Le safari moto vise à recueillir une somme supplémentaire des 3 millions de dollars pour venir en aide à certaines des personnes les plus démunies du continent, notamment les femmes et les enfants, privées d'une vie décente à cause des conflits et de la pauvreté. D'où sa visite à l'ONG ADFEN, une association vouée à la cause des enfants démunis de la ville des Durba. Satisfait des résultats produits par cette ONG avec la première enveloppe, Marc Bristow a encore octroyé un chèque de 20 000 dollars américains pour la survie des orphelins et une somme des 6 000 dollars pour le groupe de médecins. Après ADFEN, direction l'orphelinat Sainte-Rose d'Elima de Ouacha,
Sur place, il y a de l'émotion. C'est au total une vingtaine d'enfants âgés d'une semaine à deux mois, victimes des attaques de Elera qui ont aussi bénéficié d'un chèque de 27 000 dollars américains. C'est donc le lundi 6 juin dans la matinée que Marc Bristow et ses compagnons ont amorcé la tournée 2016, une tournée qui durera 30 jours et partira du Kenya, puis traversera l'Ouganda et la République démocratique du Congo, avant de se terminer fin juin à Mwanda, sur la côte ouest du pays. Après la clôture des travaux du programme national stratégique de développement dans la capitale congolaise, le vice-ministre du plan Franklin Tshamala est arrivé ce mercredi à Kisangani, dans la nouvelle province de la Tshopo, pour lancer ce même programme au niveau provincial. Des experts l'accompagnent pour échanger sur les stratégies de développement à mettre en place pour la première étape à l'horizon 2021. Floride Zontoto. C'est au centre d'accueil de Rouenzori à Kisangani que le vice-ministre du plan, Franklin Tshamala, a lancé ce mercredi dans l'après-midi les travaux du programme national stratégique de développement après l'étape de Kinshasa clôturée samedi dernier. Il s'agit ici d'une série d'échanges entre experts venus de Kinshasa et ceux des nouvelles provinces de la province orientale afin de recueillir les avis et propositions des uns et des autres pour une appropriation collective sur les développements de la République démocratique du Congo à l'horizon 2050. Les provinces doivent s'approprier de ce document pour mettre en œuvre les stratégies de développement au niveau provincial. Pour y arriver, le vice-ministre du plan s'est livré à un exercice pédagogique d'explication. Il a démontré que la République démocratique du Congo a adopté trois différentes phases dans sa stratégie. La première consiste à amener le pays dans le cercle des États à revenus intermédiaires d'ici 2021. C'est qu'il faudra porter son produit intérieur brut par habitant à 1050 dollars. C'est possible si nous y travaillons tous dans une dynamique sans relâche, a souligné Franklin Tshamala. L'autre phase importante est fixée à l'échéance 2030 pour faire de la République démocratique du Congo un pays émergent avec un PIB correspondant à 4 000 dollars américains. Et finalement, c'est d'ailleurs l'objectif de ces PNSD. C'est la phase ou l'étape qui devra emmener la République démocratique du Congo dans le club des pays développés en 2050 avec un produit intérieur brut de 12 000 dollars américains. Avec assurance, le vice-ministre du plan estime que cela est possible si seulement et aujourd'hui nous y travaillons. Rendons-nous au sud Kivu. Impossible d'oublier l'horrible massacre de Mutarule dans la plaine de la Ruzizi. Ce massacre commis il y a exactement 2 ans ne doit pas rester impuni. Bien au contraire, il faut des sanctions contre les auteurs. Ils doivent être arrêtés et déférés devant la justice congolaise pour qu'ils répondent de leurs actes. Voilà ce qu'il faut retenir des recommandations formulées par les habitants du sud Kivu qui commémorent ce triste événement. Juin 2014, juin 2016, cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, après le massacre de Mutarule dans la plaine de la Ruzizi, où une trentaine de personnes ont été tuées par balles, d'autres brûlées vives dans leurs propres maisons d'habitation. Des maisons, des écoles, ainsi que des structures de santé ont été également incendiées. 2 ans après le massacre de Mutarule, rien ne filtre et l'origine de ce massacre reste un mystère. Il y a une année, l'Assemblée nationale dirigée par Robert Minaku avait même dépêché une commission parlementaire chargée d'enquêter sur ce massacre. Constituée de 21 députés nationaux, cette mission parlementaire avait non seulement l'objectif d'enquêter, mais aussi d'évaluer la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu. Une année après le passage de ces députés nationaux, les habitants de toute l'étendue de la province du Sud Kivu attendent patiemment le résultat des enquêtes menées par ces élus nationaux. Selon un député national, Benjamin Mukulungu, qui faisait partie du groupe, le rapport de cette enquête avait été déposé à l'Assemblée nationale et il appartenait à celle-ci de le programmer comme débat en plénière. Lors du tribunal sur le Congo organisé à Bukavu par le réalisateur, le metteur en scène suisse Milo Raoult, le gouverneur du Sud Kivu Marcelin Tshamburoya avait mis la population dans l'espoir tout en annonçant le début des audiences sur le massacre de Mutarule. Enfin, les habitants de Mutarule demandent aux autorités provinciales et nationales de diligenter une enquête afin que les auteurs de ces massacres
soit arrêté et déféré devant la justice pour qu'il soit jugé conformément à la loi. Aux responsables de l'armée, ses habitants recommandent de le doter de mécanismes concrets ou carrément remplacer ces militaires engagés dans la sécurisation de la plaine de la Ruzizi. Au sud Kivu, toujours le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle en charge des questions politiques et juridiques a invité les habitants de la province à s'approprier le dialogue national convoqué par le président de la République. Il les a appelés à y participer massivement car l'organisation des prochaines élections ne serait possible que grâce à ce forum. Les détails avec notre correspondant sur place, Amani Alimasi Joseph. Revenons à Kinshasa pour parler de la clôture de la table ronde sur les personnes vivant avec handicap en RDC. Ces assises de 3 jours ont été marquées par des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement, notamment l'inclusion de personnes vivant avec handicap dans les instances décisionnelles du pays. Durant 3 jours, les participants à cette table ronde ont statué sur le développement inclusif qui prend en considération la situation des personnes vivant avec handicap en RDC. Des recommandations ont été formulées, notamment l'adoption de lois relatives à cette catégorie de personnes vulnérables, leur inclusion dans la ligne budgétaire de la RDC, ainsi que dans les instances décisionnelles. Le chef de l'État vient de manifester l'intérêt d'agir davantage dans le sens de la protection et de la promotion de nos concitoyens handicapés. Trois temps forts ont marqué cette journée de clôture. D'abord, la remise du plan stratégique quinquennal comme cadre de référence aux actions sociales et humanitaires en RDC au VPM Willy Makiachi. Et en coïncidé avec l'anniversaire du chef de l'État, cette clôture était également marquée par la remise de ces tableaux comme cadeau d'anniversaire. Enfin, des brevets ont été remis à quelques participants. Et pour concilier l'utile à l'agréable, les personnes vivant avec handicap ont brandi leurs différents talents. Un combat de catch a été organisé en leur honneur, suivi d'un défilé de mode des personnes atteintes d'albinisme, avec des tenues confectionnées par eux-mêmes. Le 11 juin prochain va se dérouler à Lagos, au Nigeria, la phase finale de la 2e édition du concours Airtel Trace Music Star. À cette compétition panafricaine, 10 pays sont en lice, dont la RDC, avec comme candidat Franck Issa, dit le Rossignol. Mais bien avant de prendre la direction de la capitale nigérienne, le jeune chanteur est allé voir la présidente de la jeunesse africaine, Francine Muyumba, en vue d'obtenir son soutien et celui de toute la jeunesse africaine. Regardez. D'abord, je ne dois que remercier le bon Dieu, nos deux coachs, toute la communauté congolaise qui m'a fait confiance et qui m'a voté. La 2e édition du concours Airtel Trace Music Star touche bientôt à sa fin. Il ne reste plus que 10 finalistes panafricains qui s'affronteront lors de la grande finale du 11 juin à Lagos, au Nigeria. Parmi eux, Franck Issa, dit le Rossignol, originaire de la RDC en province du Sud Kivu. C'est lui le champion au niveau local et c'est lui donc qui va représenter le pays à cette compétition panafricaine, l'une des plus prestigieuses du continent. À quelques heures de son déplacement pour la capitale nigériane, le jeune chanteur a voulu obtenir la bénédiction de la présidente des jeunes africains qui est congolaise comme lui. Auprès de Francine Muyumba, accompagnée d'une forte délégation de sa communauté, le Rossignol entend mobiliser toute la jeunesse congolaise pour un soutien sans faille. Connaissant ce qu'elle est au niveau du continent africain, ce qu'elle fait comme boulot, c'est une représentante de la jeunesse africaine. Il nous a été vraiment contraint de passer vers elle avant d'aller représenter la RDC. Pour voter en sa faveur, il faudra juste, à partir de votre téléphone portable, taper FRA 4999. FRA comme Franck, FRA qu'il faut envoyer au numéro 4999. C'est ça
le code de la RDC. Très émue et soucieuse de voir la jeunesse en général et celle de la République démocratique du Congo en particulier aller de l'avant, Francine Muyumba l'a encouragée à aller au Nigeria la tête haute et fière d'appartenir à cette grande nation qu'est la RDC, dont la jeunesse est pétrie de talents. Appelant toute la jeunesse congolaise à soutenir Franck Issa, la présidente de l'UPJ a fait savoir que son souhait était que ce jeune chanteur revienne au pays avec un trophée. Elle a appelé également ce dernier à être un ambassadeur pour la République démocratique du Congo à cette compétition afin que le monde sache que la jeunesse congolaise est une jeunesse qui a du talent et peut faire la différence. L'ASBL Mbwik Mboy a également célébré le 45e anniversaire de naissance du chef de l'État Joseph Kabila et de sa jumelle, l'honorable Jeannette Kabila. C'était dans la ville de Mweka, dans la province du Kasaï. À l'occasion, les membres de cet ASBL ont réitéré leur total soutien au chef de l'État ainsi qu'à son programme de la révolution de la modernité. Le 45e anniversaire de la naissance du chef de l'État, Joseph Kabila, était marqué à Kinshasa par des manifestations grandioses organisées par le PPRD, cérémonies élargies aux partis politiques et autres mouvements associatifs qui soutiennent les actions menées par le président de la République. C'était au terrain municipal de Kintambo. Mouvement associatif au nombre desquels figurait l'ASBL Mbwik Mboy, entendait l'Union fait la force, dont l'autorité morale s'appelle Constantin Mbengele Kwete Tamouk. Manifestation organisée à Kinshasa, manifestation organisée également à Mweka par Mbwik Mboy pour remercier Dieu le Tout-Puissant d'avoir placé Joseph Kabila Kabongé à la magistrature suprême en République et démocratique du Congo. Cette association sans but lucratif a renouvelé son soutien inconditionnel au vaste programme du chef de l'État de réhabiliter et de moderniser les infrastructures de base dans les différents secteurs de la vie nationale. Soutien également au dialogue national et inclusif initié par le chef de l'État dans le but de voir les Congolais mettre de côté ce qui les divise et regarder dans la même direction, ce malgré la diversité culturelle et politique, afin d'organiser la tenue des élections libres, transparentes et apaisées. Cela se traduit au travers de ce message de joyeux anniversaire souhaité au chef de l'État, Joseph Kabila, par les membres de cette association. Nous nous sommes réunis en ce lieu pour le 45e anniversaire du chef de l'État, lui qui a fait que Constantin Mbengele se retrouve comme l'ADG des pays. À travers lui, Mweka aujourd'hui est modernisé par des grands projets. Il a mené la modernisation à Mweka selon les projets et la modernisation du chef de l'État. On passe au sport. 4e tour cycliste international de la RDC. Après une trêve de 2 jours, la compétition a repris ce mercredi dans la province du Congo central. Les sportifs congolais devront encore patienter s'ils veulent voir un de leurs finir dans le trio de tête. Après la 2e étape courue ce mercredi 8 juin de Kimpese à Kisantu, c'est le néerlandais Van der Pijl qui a terminé en première position devant l'allemand Stoder Benjamin. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Doudou Mbala. C'était une 2e étape intéressante, palpitante et technique, longue de près de 80 km. Ce mercredi 8 juin 2016, le 4e piste internationale de la RDC a connu un engouement sans précédent. Cette étape-là, l'une des étapes la plus mouvementée en termes d'ovation, due à la curiosité manifestée par la population, partie de la province du Congo central, partie de Kimpese, sous les acclamations de nombreux amoureux de la bécane, la caravane a pris une vitesse de croisière 25 minutes plus tard, due aux attaques placées des cyclistes néerlandais. La première échappée composée de coureurs de 4 pays, dont la France, la Belgique, la Hollande et la RDC, verra la crevaison d'un de coureurs congolais à la personne de Jimmy Moïno. Le Français Alexis Tourtello, vainqueur de la première étape à Kisangani, a eu du mal à se retrouver. Au bout de 2h, 3 minutes et 39 secondes, la ligne d'arrivée constate la victoire du Néerlandais Van der Pijl, qui finira la course en devançant l'Allemand Stoder Benjamin et son compatriote David Van der, placé à la 3e place. Et dans la foulée, la RDC, dont les athlètes subissent encore les Occidentaux, sera récompensée avec la 12e place raflée par Sissandou Kwabumba. Du coup, il s'adjuge le maillot du meilleur Congolais le mieux classé, devançant ainsi les Français Klein Médéric. Par ailleurs, il s'est de signaler que le comité d'organisation vient d'instaurer un nouveau système
celui de faire les points de presse à chaque étape. Et à cet effet, les coordonnateurs intérimaires de ce tour, François Kaboulou-Mouana Tarklo, a réuni la presse sportive, question de rassurer la population congolaise quant à la suite de ce tour. Il a ajouté que les athlètes de la RDC sont bien logés, bien nourris et mis dans de bonnes conditions. Ce jeudi 9 juin 2016, place à la troisième étape longue des 100 km qui partira du pont Ikissi à Kisantu jusqu'au quartier Mutesi. Nous sommes là à l'entrée de la capitale de la RDC, Kinshasa, puis Kisantu, Doudoumbala, pour le Télé 50. Ce journal est terminé. Tout de suite, le rappel des titres. Affaire mercenaire. Le sujet américain Daryl Lewis a été présenté et remis à l'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Swan. Il pourra rentrer dans son pays, mais le dossier se poursuit. La RDC se fera accompagner d'une commission rogatoire internationale pour obtenir certains éléments dont disposent les États-Unis. Vous avez suivi les détails dans ce journal. L'actualité, c'est aussi le conclave de Bruxelles. Après des discussions préliminaires dans la banlieue de la capitale belge, les acteurs politiques de l'opposition sont réunis autour d'Étienne Tshisekedi, mais sans Katumbi, inculpé dans le recrutement des mercenaires, et Vital Kamerhe qui a boycotté ce conclave. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. L'info revient dans moins d'une heure sur Télé 50 et la revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Arlette Boutella nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue. Merci, grâce à vous. On commence avec ce titre. Conclave de Bruxelles, report ou blocage? Et c'est la question qu'on se pose évidemment. Un report qui a commencé le 7 juin et aujourd'hui on parle du 9 juin. Le conclave de l'opposition ne commencera qu'après avoir adopté l'ordre du jour à l'unanimité. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Eh bien, 7 sur 7 renseigne qu'aussitôt arrivée, la dynamique de l'opposition s'est opposée et tout de suite à ce qui avait déjà été fait sans qu'on ait recueilli son avis. Au nombre de préalables, il y a d'abord l'ordre du jour, le format et la nature des résolutions du conclave de Bruxelles autour d'Étienne Tshisekedi. Et après une discussion de plus de 5 heures, le groupe de Tshisekedi composé de 10 personnes et celui de la dynamique se sont mis d'accord de reprendre les travaux préparatoires ce mercredi à 8h, confie le même site. La dynamique a surtout exigé la réduction du nombre des délégués par groupe politique présent. Pour la dynamique de l'opposition, l'AR doit s'associer au G7 car les deux sont des plateformes politiques qui soutiennent la même personnalité, Moïse Katumbi Tshapwe. Le groupe de l'Isanga Bunganga et le G14 sont des alliés de l'UDPS. Il faut donc réduire leur nombre, exige la dynamique. En quoi RTBF.be, le conclave divise l'opposition. Déjà mardi, un groupe d'opposants en partance de Kinshasa vers la Belgique aurait indiqué que la réunion ne pourrait se tenir qu'à partir de vendredi, donc le 10 juin. Le mouvement de libération du Congo, MLC, et l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, deux principales formes d'opposition à l'Assemblée nationale, ont déclaré ne pas être concernées. Et à la grande surprise, Claudel Lubaya, cadre de l'UNC, de Vital Kamerhe, accepte d'y prendre part. Sur politico.cd, il s'explique en brandissant une invitation lui adressée personnellement par le Sphinx de Limité, sans pour autant évoquer les rapports actuels avec l'UNC. N'est-ce pas là une crise au sein du parti révélée au grand jour? On se pose la question grâce. Et dans la série des révélations, l'opposition, dans l'opposition, permettez-moi la tautologie, politico.cd revient sur l'organisation. Avant les travaux préparatoires, sur place, à Bruxelles, c'était un désordre indescriptible à l'entrée de la salle.
Plusieurs personnes sans badge officiel ont tenté de forcer l'accès. Entre-temps, confie le site, Clément Cancou et certains alliés de l'UDPS menacent de boycotter la conférence. Ils estiment n'être pas bien traités et leurs opinions ne sont pas prises en compte. En parlant de révélation, Forum de ZAS a fait savoir que pour le Grand Kassai, la solution à la crise passe par le dialogue. La nouvelle province du Grand Kassai se dit non concernée par ce conclave convoqué par Étienne Tshisekedi. Pour ses acteurs politiques originaires du Kassai, les problèmes liés à la marche du pays doivent être plutôt résolus en interne et non à l'étranger. 56 ans après l'accession du pays à la souveraineté politique, les acteurs politiques congolais doivent savoir prendre leurs responsabilités. Et puis ce titre pour boucler votre revue de presse, le football africain et nigérien en deuil, Stéphane Keshi s'est éteint. Eh bien, RFI.fr de préciser que c'est à l'âge de 54 ans que l'ex-défenseur emblématique de Super Eagles des années 90, c'est lui qu'on surnommait The Boss, qui avait dirigé les équipes du Togo et du Mali notamment, avant de conduire le Nigeria à la victoire en Coupe d'Afrique de Nations 2013. Il s'est éteint ce 8 juin 2016, selon les premières informations confie le pays.bf. Keshi serait mort d'une crise cardiaque. Alors, que retenir de l'homme en tant que joueur et entraîneur? RTBF.be de répondre. Il a remporté un titre de champion en 1991, deux coupes de Belgique en 1988 à 89 avec Anderlecht. Il est le deuxième Africain à avoir remporté la CAN en tant que joueur en 1994 et en tant qu'entraîneur du Nigeria en 2013. Il a conduit les Nigériens en phase finale du Mondial 2014 au Brésil, où il a atteint les huitièmes de finale et aussitôt appris la nouvelle. Issa Hayatou a salué la carrière de Keshi, écrit CAF Online. Les condoléances du président de la CAF sont formulées en son nom propre, au nom du comité exécutif de la CAF et celui de la grande famille du football africain, dont Keshi a été un fleuron. Et les condoléances vont également à sa famille, ses amis et à la famille du football nigérian si durement touchée. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci Arlette. Je vous en prie, grâce à l'amour. C'est la fin de la revue de presse. Merci de votre attention soutenue. L'info est en continu sur Espace 50.